Dis-moi, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Ah! Mais qu'est-ce qui saute autour de nous? Il faut qu'on ait de la lumière. La pierre à feu, la pierre à feu! Où est-elle? Ah! Restez où vous êtes. Surtout que personne ne bouge, restez où vous êtes. Voyons un peu ce que c'est. Ont volé tout le monde, voyons, ce n'est pas le moment de se disputer. Mais tu as raison. Est-ce que vos tablettes parlent de Flamipuche qui a volé des choses auparavant? Mais non, jamais, jamais. Je crois que les Flamipuches sont devenus complètement fous. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce qu'ils sont fous, je ne vois pas d'autre explication. Ah, ce ne sont plus nos Flamipuches d'antan, voilà tout. Non, ce sont des bandits maintenant, des vrais bandits. Alors il faut les tuer, les écorcher vivants, leur brûler.
des pieds. Les réduit en chirapaté. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Papa, est-ce que tu vas aller aussi à la chasse aux flammipuches? Il faut bien, Koum-Koum. Ils sont devenus impossibles. Mais tu vas pas en faire de la chair à pâté comme Cléopulati. Je ne pense pas, mais il faut qu'on attrape ces bandits. Hé, hey, Koum-Koum, tu viens avec nous à la chasse? Viens, on va attraper plein de flammipuches. Est-ce que tu veux pas venir? J'en sais rien, ça m'embête de leur faire du mal. Ouais, eh ben moi ça m'embête pas, ils ont emporté tout ce qu'il y avait à la maison. Allez, Koum-Koum, viens avec nous, on en prendra plus si t'es avec nous. On va bien s'amuser, moi je vais avec vous. D'accord, alors on part tout de suite. Je vais attraper les flammipuches. Va donc avec eux, n'importe comment les flammipuches vont trop vite pour que vous les attrapiez. Attrapons les flammipuches. Allez, de... On devrait rentrer à la maison, il n'y a pas de flammipuches ici. Hé, hey, les flammipuches, où êtes-vous? Rendez-moi ma lance! Ils sont pas ici, moustiques, ils n'aiment pas la forêt, ils n'y vont jamais. C'est les moustiques, ça leur fait peur, puis je fiche pas mal de ta vieille lance. Moi, j'aime pas cette forêt, je veux retourner à la maison. Je vais pas laisser ma lance à ces bandits de flammipuches. Mais c'est ta faute, s'ils ont pris ta lance, tu l'as laissée... Laissez-moi au silence! Oh. Ma crée pas comme ça. Protégez-moi. Où êtes-vous? Répondez-nous, Koum-Koum, moustique. Ouais, répondez-nous. Ouais, Koum-Koum. Répondez. Moustique. Où êtes-vous? Où est-ce qu'on est? C'est des flammipuches, moustique. Oh, tu crois? Ouais, mais il doit y en avoir beaucoup. Oh! Oh! Non, c'est pas, ce sont pas des flammipuches. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y en a beaucoup, je me demande où ils vont. Chut, fais pas de bruit, il vaut mieux qu'ils nous entendent pas. Ils marchent tous au pas, on dirait des soldats. On va les suivre.
Non, la mille. Et il y a autant de flammes épluches de l'autre côté de la rivière. Ah, regarde celui-là, Koum-Koum. Waouh, c'est sûrement chef des vers. Et celui-là, c'est le chef des flamifuches. Regarde, ils sont tous réunis de chaque côté de la rivière. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont là pour une réunion exceptionnelle. Pas que ce soit seulement une réunion. Regarde, il y en a qui avancent. Je me demande ce que font les flammes épluches. Regarde, moustiques qui se battent. Les flammes épluches contre ces drôles de trucs verts. Humain! Humain! Pourquoi tu fais ça? Quoi? Pourquoi tu tires ma tunique et t'as cette drôle de voix? Oh, je t'ai pas parlé, j'ai pas bougé. Humain! Ah! Ah! Humain, répondez! Qu'est-ce que c'est, une espèce de flamme épluche? Mais il nous a parlé! Oui, je vous ai parlé. Ah! Tu peux parler? À flamme épluche? Je savais pas qu'il y avait des flammes épluches qui parlaient. Un humain m'a appris. Nous ne sommes pas des flammes épluches, on nous appelle les pionniers. Les pionniers? Oui, notre nom véritable est pionnier. Pourquoi les autres y parlent pas? Je ne l'aurais pas appris, ça ne sert à rien. Les humains parlent tout le temps et ça complique tout. Et ça fait perdre beaucoup de temps. Nous faisons mieux. Comment vous faites mieux que nous? Je vais vous montrer, venez avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe entre eux? Une guerre. Et c'est ça que vous trouvez mieux? Et en quoi est-ce que c'est mieux? Vous allez voir. Ça alors? C'est toutes les choses qu'ils ont prises dans nos maisons. Oh, ils s'en servent comme projectiles. Allez-y, les flammes-épluches! Je note tout ce qui se produit afin que les descendants des pionniers ou des flammes-épluches, comme vous nous appelez, soient renseignés sur cette guerre. Et qui sont les guerriers verts contre lesquels se battent les pionniers? Ils viennent des régions du Nord. Mais comment appelez-vous les verts? Les envahisseurs. Envahisseurs? Ils essayent de nous chasser. Leur vrai nom est les bourrus. Les bourrus? Nous les battrons. Et qu'est-ce qui arrivera si c'est eux qui vous battent? Ils nous chasseront d'ici et ensuite ils en chasseront les humains. Oh, ils sont vraiment méchants. Ce sont des créatures cruelles. J'espère bien que vous gagnerez. Ouais. Bien sûr que nous gagnerons. Koum-Koum, c'est les tablettes de Cléobule. Il viendrait fou s'il les voyait par le grand barbichu. Qui est Cléobule? C'est le savant qui note tout ce qui se passe dans le village. Ces tablettes de pierre lui appartiennent. Vous voulez dire qu'il écrit l'histoire comme je le fais? Oui, et quand les flammes-épluches lui ont volé toutes ces tablettes, il était fou de colère. Vous lui présenterez mes excuses et vous lui donnerez ceci. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Donnez ceci au sage Cléobule. De quoi ça parle? Il comprendra. Le plus haut possible, mourir. Le chant.
champ qui en débourrure provoque le champion des pionniers. S'il peut battre notre champion que vous voyez là, eh bien les bourrures ont gagné la guerre. Ah, je comprends. C'est celui qui saute le plus haut qui gagne. Allez, Koum Koum, réveille-toi. Koum Koum. Ça y est, Bras de Fer, il se réveille. On s'est fait un mauvais soin épouvantable, on ne te retrouvait pas. Où étais-tu? À la guerre. Oh, pauvre Koum Koum, il délire. Mais c'est vrai, maman, qu'on a assisté à une guerre et Moustique a voulu reprendre sa lance au soldat pionnier. Voyons, Koum Koum, tu as dû rêver tout ça. Et les flamipuches et les bourrous nous ont chassés dans la caverne souterraine. Tu n'as pas besoin de te faire de soucis pour les flamipuches. Nous les avons chassés et ils ne reviendront pas nous embêter pendant un moment. Et je crois bien que tu devrais rentrer à la maison, hein? Je me demande pourquoi tu rêvais d'une guerre. Qu'est-ce que c'est? C'est une tablette que nous a donnée le vieux chef des flamipuches pour qu'on la donne de sa part à Cléobule. Hé, c'est pour moi. Qu'est-ce que ça raconte, Cléobule? Dis-le-nous. C'est un cadeau personnel, il faut que je le voie. C'est vrai, papa, que les flamipuches ont fait la guerre aux bourrus qui venaient du nord. Mais le vieux chef flamipuche qui nous a parlé nous a dit que c'était pas des flamipuches, mais des pionniers qui voulaient pas que les bourrus les chassent. Parce que si les bourrus les chassaient, ils chasseraient aussi les humains. J'aime mieux voir sauter les flamipuches, pas toi, papa? Je suis pas tombée. Oh, flûte zut, attendez-moi. Koum Koum. Comment? Tu sais, Koum Koum, la tablette que tu as remise à mon père, il m'a dit qu'il n'a jamais rien lu de pareil. Ah. Oui, il t'est vraiment reconnaissant de lui avoir rapporté la petite tablette de pierre du vieux pionnier. Tu sais, depuis que tu lui as donné, il n'a rien mangé. C'est l'histoire complète de la tribu des pionniers, que nous appelons les Flamipuches. Il ne quitte pas cette tablette,
Elle raconte que les bourrus viennent tous les 100 ans pour trouver des terres et qu'une terrible bataille les oppose aux flamipuches qui aiment tant jouer et sauter. Mais ils s'entraînent et ils battent toujours les bourrus. Je n'en crois pas un mot. Qui peut imaginer les flamipuches prenant des notes? Oh. Qu'est-ce que c'est? Petit pionnier, est-ce qu'on t'a appris à parler? Si tu parles, dis-moi quelque chose. Qui a gagné la guerre? Les flamipuches ont dû gagner. Il est retourné sauter et jouer. Hé, Koum-Koum! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens pas jouer avec Moustique et moi? Mais moi, je compte pas, alors. J'arrive! さて次のお話はチルチルがクムクムのお父さんを欲しいと言い出し強引にクムクム家に押しかけてきてしまう。これにはパルパルも大弱り。次回チルチルも父さんが欲しい。どうぞお楽しみに。